Le samedi 19 mai 2018 restera gravé à jamais dans les mémoires des Britanniques et de la famille royale d'Angleterre. Et pour cause, c'est le jour où Meghan Markle et le prince Harry se sont unis pour la vie devant des milliards de téléspectateurs lors d'une somptueuse cérémonie au cœur de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Un événement incroyable que les nombreux fans des deux tourtereaux n'ont pas loupé. Entourés de leurs proches et de personnalités telles que David Victoria Beckham Meghan Markle et le prince Harry, qui se tiennent la main en public malgré le protocole, ont alors célébré leur amour au grand jour. Presque deux mois après cette belle journée placée sous le signe du bonheur, le duc et la duchesse de Sussex ont tenu à envoyer à leurs invités, mais aussi leurs fans, une jolie carte de remerciement. Une publication partagée par Royal Été, Letters Royal, le Times 5 juillet 2018 à 5:58 victimes. Reconnaissant envers les invités et toutes les personnes qui leur ont adressé des messages de félicitations pour leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas hésité à répondre. Et c'est par voie postale que le couple princier a envoyé sa carte de remerciement, qui contenait la photo officielle de leur fiançailles prise par le talentueux photographe Alexis Lubomirski, le tout accompagné d'un petit mot. Le duc et la duchesse de Sussex ont été submergés par toutes les cartes et les lettres incroyablement aimables qu'ils ont reçues à l'occasion de leur mariage, et sont si émus que vous ayez pris la peine d'écrire comme vous l'avez fait. C'était vraiment très attentionné de votre part, et grandement apprécié par leurs altesses royales, qui vous envoient leurs meilleurs vœux, peut-on d'ailleurs lire au dos. Aucun doute que cette petite attention aura fait plaisir aux destinataires.